même si ce n'est que par le truchement d'un écran d'ordinateur. Voilà, on se contentera de cela pour l'instant, mais très bientôt, je l'espère, nous pourrons à nouveau nous rencontrer dans nos locaux et nous aurons la joie de partager ensemble la parole de Dieu. Je vous invite à faire une lecture pour introduire cette méditation dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 17 et les versets de 1 à 6. Josaphat, son fils, régna à sa place et se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm qu'Asa, son père, avait prises. Et l'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il suivit les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Balaïm. Car il rechercha le Dieu de son père, et il marcha dans ses commandements, et non pas selon ce que faisait Israël. L'Éternel affermit donc le royaume entre ses mains, et tout Juda apportait des présents à Josaphat, et il eut richesse et gloire en abondance. Son cœur s'enhardit dans les voies de l'Éternel, et il ôta encore des hauts lieux et des emblèmes d'Achéra. Amen. Nous allons évoquer rapidement deux rois, et nous nous attarderons sur un troisième, vous l'avez compris, sur le roi Josaphat. Plusieurs rois en Juda ont entrepris des réformes spirituelles. Je pourrais citer Joas. Et au travers de la vie de Joas, nous pouvons aussi tirer un enseignement. Nous pouvons dire qu'il y a eu deux temps dans la vie de Joas. Tant que Joas a été sous l'influence de Jéhojada, sacrificateur de l'Éternel, Joas a marché droit avec Dieu. Âgé de 130 ans, Jéhojada est mort. Et là, l'influence cessa, et Joas, qui était un homme influençable, a subi l'influence négative de ses proches. Il s'est détourné de Dieu. Il est devenu un roi idolâtre, lui qui avait si bien commencé, a très mal fini. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Nous tirons un enseignement de cela. Nous ne pouvons pas être au bénéfice de la consécration de qui que ce soit. Nous ne pouvons pas être au bénéfice de la foi de quelqu'un d'autre. Nous devons avoir une consécration personnelle. Nous devons avoir un ancrage en Jésus-Christ personnel. Parce que le jour où l'influence cesse, c'est la chute. Et ce n'est pas ce qu'il convient. Aux yeux de Dieu, nous devons être fermement attachés à lui. Un autre roi a entrepris des réformes importantes. Il a vraiment lutté contre l'idolâtrie en Juda. Il s'agit du roi Asa, le père de Josaphat. Il a agi d'une façon extraordinaire et Dieu, en retour, l'a béni merveilleusement. Zérakh, l'Éthiopien, s'est mis en tête de s'emparer de Juda. Et il est venu avec une multitude d'hommes combattre Asa. Asa s'est tourné vers Dieu et Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire. Il a décimé les troupes de Zérakh sans que Asa ait à intervenir. Merveilleux, gloire à Dieu. Asa s'en est certainement réjoui profondément avec son peuple. Mais voilà. Des années plus tard, un autre roi, le roi Bécha, se met en tête de prendre Juda, de conquérir Juda. Bécha, roi d'Israël. Et là, que fait Asa? On pourrait s'attendre à ce qu'il se tourne vers Dieu en disant, mais tu m'as béni d'une façon extraordinaire avec Zérakh, tu vas me bénir avec Bécha, tu vas me décimer l'armée de Bécha comme tu l'as fait avec l'armée des Éthiopiens. Rien de tout cela. Asa a pris d'argent, s'est assuré le secours de mercenaires,
de l'armée de Ben-Hadad, roi de Syrie. En faisant cela, Asa a offensé Dieu. Nous ne devons pas, frères et sœurs, nous montrer comme Asa des enfants ingrats. Nous devons nous souvenir que de toutes les manières dont Dieu nous a bénis, toutes les manières dont Dieu est intervenu pour nous secourir, pour nous relever, pour nous guérir. Si nous avons la mémoire de toutes ces choses, nous serons armés pour affronter les épreuves qui peuvent survenir dans notre vie. Si nous sommes des chrétiens oublieux, si nous n'avons pas la mémoire de ce que Dieu a fait dans nos vies, nous serons mal armés pour faire face à l'épreuve. Nous ne devons pas être des chrétiens oublieux. Repassons dans notre mémoire toutes les fois où Dieu nous a bénis, où Dieu s'est montré digne de notre confiance en intervenant d'une manière surnaturelle, en nous relevant merveilleusement. Quand survient l'épreuve, nous aurons ce bagage et nous pourrons affirmer ce que Dieu a fait, il le fera encore. Je vous invite à lire le psaume 78, qui est un hymne à la mémoire. Pénétrons-nous, frères et sœurs, de l'importance de la mémoire pour honorer Dieu, pour lui témoigner notre reconnaissance. Nous devons être vigilants, parce que nous avons tôt fait, nous ne sommes faits que de chair et de sang, nous avons tôt fait d'oublier ce que Dieu a fait et de n'avoir en tête que le quotidien, que ce que nous vivons à l'heure présente. Dieu s'est montré, combien de fois Dieu s'est-il montré digne de notre confiance? Alors, n'ayons pas recours à des moyens humains alors que nous avons un Dieu qui est là près de nous et qui veut nous bénir et qui veut agir. Dieu est digne de confiance. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut garder en mémoire, savoir d'où Dieu nous a tirés, ce qu'il a fait dans notre vie. La mémoire est très importante. La Bible nous dit, souviens-toi, l'oubli, soyons-en conscients, l'oubli nous éloigne de Dieu, nous sépare de Dieu, attriste Dieu. Donc ne soyons pas comme Asa, des enfants oublieux. Il y aurait un enseignement à tirer de la vie d'Ézéchias, de Josias et de bien d'autres, mais on ne va pas allonger inutilement cette méditation et nous allons nous attarder maintenant sur Josaphat, autre roi, un bon roi, un roi qui a fait de très belles choses et lui aussi a opéré des réformes extrêmement importantes. Mais voyez-vous, frères et sœurs, là aussi, il y a une faille. Toutes les réformes importantes initiées par Josaphat n'ont pas pu porter tous leurs fruits parce que Josaphat n'a pas su se séparer du mal. Il n'a pas été capable de se sanctifier. Ça veut dire qu'il n'a pas été capable de se séparer de ce qui offense Dieu. Et si nous ne savons pas nous séparer de ce qui offense Dieu, nous ne pouvons pas espérer une bénédiction complète. Deux Chroniques 19,4 nous dit: Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Magnifique, hein? 2 Chroniques 18,1 nous dit: Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, mais il s'allia par mariage à Akab. Et là, nous voyons le ver entrer dans le fruit. 2 Chroniques 20,33 nous dit: Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Et le peuple n'avait point encore
le cœur fermement attaché au Dieu de leur père. Nous voyons une ombre au tableau. Le roi Josaphat opère incontestablement une véritable réforme au sein du peuple d'Israël. Mais elle est limitée dans ses effets parce que dans le même temps, Josaphat s'allie par mariage à Akab. Il s'allie avec des ennemis de Dieu. L'un des plus mauvais rois d'Israël. Il ira même jusqu'à combattre à ses côtés. Michée va les mettre en garde, et Akab et Josaphat. Ils n'en tiendront pas compte. Ils feront même mettre en prison Michée, parce qu'aux yeux d'Akab, il lui a dit des choses désagréables. Il n'a pas parlé dans son sens, il le fait mettre en prison. Et Josaphat ne va pas intervenir. Le combat va avoir lieu. Akab sera tué. Josaphat aurait dû mourir parce qu'il était encerclé par des ennemis. Mais Dieu a vu qu'il y avait quand même de bonnes choses en Josaphat et il l'a délivré miraculeusement. Dans 2 Chroniques 19:2, Dieu fera dire à Jéhu, par Jéhu, son prophète, il fera dire à Josaphat: doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, Dieu, l'Éternel, est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Voyez ce mélange, la confusion. Celui dont Dieu plaide la cause, c'est la signification du nom de Josaphat. Et c'est pour nous un encouragement de réaliser qu'en la personne de Jésus-Christ, nous n'avons pas seulement un Seigneur et un Sauveur, pas seulement, excusez-moi du peu, nous avons un Seigneur et un Sauveur, mais nous avons aussi auprès de Dieu, dans la personne de Jésus, un avocat. Et ça, c'est une merveilleuse chose à réaliser. Nous ne sommes pas seuls et cela doit toujours nous soutenir. Mais, voyez-vous, frères et sœurs, il ne faut pas se méprendre sur le fait que Dieu soutient notre cause. Merci à lui de nous soutenir. Mais il ne faut pas mal l'interpréter. On va reprendre rapidement les étapes de la vie de Josaphat, si vous le voulez bien. Que constatons-nous? En 2 Chroniques 17:3, l'Éternel fut avec Josaphat. En 17:5, l'Éternel affermit le règne de Josaphat. En 18:31, l'Éternel le secourut. En 19:2, l'Éternel est irrité contre Josaphat. En 20:15, il parle à Josaphat. En 20:30, il lui donne du repos de tous côtés. Et en 20:37, l'Éternel détruit l'œuvre de Josaphat. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Josaphat va s'allier à Akazia, autre mauvais roi d'Israël. Josaphat persiste et signe à aimer ceux qui haïssent l'Éternel. Et cela ternit toute l'action de Josaphat, qui pourtant fait de belles choses, entreprend des réformes, et nous allons y revenir un peu plus longuement. Mais voyez-vous, ça jette une ombre sur l'œuvre de Josaphat. Dieu n'est pas là seulement pour nous secourir et nous bénir. Nous pouvons voir que Dieu peut être irrité. Il peut détruire ce que nous avons construit sans sa volonté, hors de sa volonté, contrairement à sa parole. La fidélité de Dieu se manifeste, j'espère le plus souvent, par des bénédictions, mais elle peut se manifester également par d'une façon négative. Dieu est un père et il nous châtie
Il peut être amené à nous châtier comme ont été conduits à le faire nos parents naturels. Nous retrouvons ça en Hébreux 12, 7. Supporter le châtiment, c'est comme des enfants, comme des fils que Dieu nous traite. En 12, 10, Hébreux 12, 10, il nous est dit, Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Lorsque Josaphat est allé trop loin, Dieu est intervenu. Il a multiplié ses mises en garde par Michée, par Jéhu, par Jacaziel, fils de Zacharie, non seulement pour manifester sa présence, mais rappeler à Josaphat qu'il ne pouvait pas l'entraîner dans n'importe quelle direction. Dieu, nous n'en doutons pas, est le maître absolu des cieux et de la terre. Et Dieu veut aussi régner dans chacune de nos vies. Mais ne croyons pas, frères et sœurs, que quoi que nous fassions, que Dieu est à nos côtés, que Dieu nous approuve. Prenons garde, frères et sœurs, prenons garde à ce que nous faisons, prenons garde où nous conduisons nos pas, veillons à ce que nous disons, veillons à nos paroles, comme Job. Faisons un pacte avec nos yeux et avec notre bouche. C'est vrai que dans notre marche avec Dieu, pour le bien de son œuvre, il nous faut de la hardiesse, il nous faut vouloir aller de l'avant, il nous faut de la consécration, il nous faut du zèle, il nous faut aimer son œuvre et vouloir y participer pleinement. Et c'est bien que de vouloir grandir dans la foi, la consécration, mais que cela se fasse toujours dans les voies de Dieu et en accord avec sa parole. Josaphat a grandi, son cœur s'est enhardi dans les voies de l'Éternel, et cela, incontestablement, lui a permis de faire connaître au peuple un renouveau. Il a pu faire disparaître des hauts lieux. Cela nous montre qu'avant d'agir, il faut grandir. Avant d'agir, il faut connaître une croissance spirituelle. Sinon, nous risquons de sombrer dans un activisme stérile. Nous constatons trois phases dans la croissance spirituelle de Josaphat. En premier lieu, la Bible nous montre qu'il nomme des docteurs pour enseigner le peuple. Ramener le peuple à la parole de Dieu. Merveille d'entre les merveilles. Nous voyons dans 2 Chroniques 17, 7, 9 que Josaphat va envoyer des chefs de maison, des lévites et des sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes établis, des hommes qui ont une autorité. Au verset 9 de Chroniques 17, verset 9 nous précise que ces hommes enseignèrent en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, ils firent le tour de toutes les villes de Juda et enseignèrent parmi le peuple. La référence en Juda est à nouveau la parole de Dieu. Et un véritable retour à l'Éternel ne peut pas se faire sans un retour préalable à la parole de Dieu. Pour avancer, pour aller plus loin, il faut parfois savoir s'arrêter et même parfois revenir en arrière. Ce n'est pas une perte de temps. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à l'original. De véritables réveils ont avorté parce qu'ils ont dévié par rapport à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. La parole de Dieu est la vérité et seule la vérité fera de nous des disciples et fera de nous des témoins pour Jésus-Christ. Il a fallu du temps pour enseigner Judas. Il a fallu beaucoup d'efforts. Et cela nous montre aussi que nous devons faire preuve de patience, que nous devons donner du temps à Dieu pour lire sa parole, pour être enseigné par lui, par son esprit, pour être formé par Dieu.
Dieu veut nous édifier au travers de sa parole, mais pour cela, il faut du temps. Ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Donc, sachons garder du temps pour Dieu afin qu'il puisse nous former, nous instruire. Ces hommes, et c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, ce sont des hommes établis, comme je vous l'ai dit, des chefs, des lévites, des sacrificateurs, des hommes qui sont revêtus d'une autorité, qui ont un bagage, qui ont un savoir. Mais voyez-vous, ces hommes ne sont pas allés avec leur propre bagage auprès du peuple pour les enseigner. Ils emportèrent avec eux le livre. Revenons toujours à la Bible, ainsi nous ne risquerons pas de dévier par rapport à la parole de Dieu. Deuxième étape pour Josaphat dans sa réforme spirituelle, nomination des juges. Nous allons faire une lecture dans 2 Chroniques 19, 5 à 10. Il établit, Josaphat, établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville, et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez les jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Amen. Là encore, ce sont les chefs de maison, des Lévites, des sacrificateurs qui sont établis juges en Juda. Et cela pour faire face aux contestations, aux problèmes qui peuvent survenir au milieu du peuple. Il faut des hommes qui ont un jugement basé sur la parole de Dieu. Il y a l'enseignement qui est primordial. Et ensuite, il faut établir des hommes droits, des hommes consacrés, intègres, comme je vous le disais, établis sur la parole de Dieu, des hommes qui ont un cœur droit, la crainte de l'Éternel et du courage pour faire régner la justice. Ce n'est qu'à ce prix qu'il a pu y avoir un affermissement spirituel en Juda. Troisième étape. La nomination des chantres. 2 Chroniques 20, 20 à 22. Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Au moment du combat, ce sont les chantres qui entrent en lice. Le chant, c'est véritablement l'expression de la foi. Pendant que les chantres élevaient leur voix, Dieu tendait une embuscade aux ennemis de Juda, et les conduisait à s'entretuer. Il n'y a pas de réforme, frères et sœurs, sans d'abord un retour à sa parole, sans que nous nous jugions nous-mêmes
et sans que nous acceptions les jugements du juste juge. Mais il n'y a pas non plus de réforme complète sans la manifestation de la foi, d'une manière joyeuse, d'une manière authentique et confiante. Face à l'ennemi, ils ne perdirent pas le contrôle de leur foi. Ils surchantaient la gloire de Dieu. Ce n'est pas évident, hein, quand on a l'ennemi face à soi, chanter la gloire de Dieu. Sachons, frères et sœurs, toujours revenir à la parole de Dieu, régler d'une manière spirituelle les problèmes que nous pouvons rencontrer et connaissons l'expression de la foi dans la joie. Au travers de ces quelques exemples, frères et sœurs, réalisons qu'il faut toujours veiller. Que ce soit au travers de la vie de Joas, d'Asa ou de Josaphat, nous pouvons voir des actions merveilleuses et nous assistons à des chutes retentissantes. Que celui qui est debout, nous dit la Bible, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que nos succès ne nous grisent pas, frères et sœurs, ne nous amènent pas à baisser la garde, à prendre une confiance déraisonnable en nous-mêmes. Nous serons vulnérables. Mais que nos échecs, que nos épreuves ne nous aigrissent pas, ne nous remplissent pas d'amertume, de doute vis-à-vis de la bonté de l'Éternel. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux. Mais il nous faut veiller et prier. Parce que il nous faut véritablement faire confiance à celui qui tant de fois est intervenu d'une manière miraculeuse pour nous sortir de situations difficiles. Quoi que nous soyons appelés à vivre, gardons foi en notre Dieu. Ne soyons pas des enfants ingrats, oublieux comme Asa, afin de ne pas offenser, de ne pas attrister notre Dieu. Josaphat a été dans la crainte et Dieu l'a béni, véritablement, malgré des alliances contre nature avec Achab et Akazia, avec des ennemis de Dieu. Dieu l'a quand même gardé. Dieu lui a accordé de grandes victoires. Notre Dieu est compatissant, lent à la colère, prompt à pardonner, et riche en bonté. Je crois néanmoins, frères et sœurs, que Josaphat, par son manque de discernement, par la confusion qu'il y a eu dans ses choix, je crois que Josaphat s'est privé de bien des bénédictions. C'est vrai qu'il a eu un règne relativement béni, mais je pense qu'il aurait pu vivre encore de bien plus grandes choses s'il n'avait pas contracté ses alliances contre nature avec des ennemis de Dieu. Prenons garde, frères et sœurs, à ceux qui nous entourent. Prenons garde, frères et sœurs, à ceux qui ont une influence sur nous. Gardons précieusement la parole de Dieu. Dieu nous dit: celui qui garde sa parole sera gardé par sa parole. Que le Seigneur nous soit en aide, frères et sœurs. Qu'il nous garde chacun. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt et j'espère cette fois de visu. Amen. Au revoir.